Bonsoir à tous et merci de participer à ce deuxième numéro de débat public. En partenariat avec le think tank Socrate, nous réalisons deux fois par mois, ici même à l'American Space, au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, un grand débat public sur des thématiques qui souvent n'intéressent pas les grands médias, mais qui pour nous sont d'une importance capitale, voire d'un intérêt vital pour nos pays. À chaque débat, donc, une thématique et une ou deux publications nous réuniront. Vous savez que le 6 mars prochain, les Ivoiriens éliront leurs députés, leurs représentants au Parlement. Nous nous interrogerons au cours de cet échange de 90 minutes environ sur les perspectives du débat démocratique parlementaire pour la prochaine mandature. Quels sont les défis que nos parlementaires devront relever en apportant leur pierre à l'édification d'un état de droit, gage de stabilité et de développement durable? Notre système politique est-il aujourd'hui à même de garantir aux citoyens un efficient contrôle de l'action parlementaire et de l'action publique? Que penser de la mandature qui s'achève? Ce sont là quelques questions et bien d'autres que nous aborderons cet après-midi dans un échange que je souhaite riche, dense, courtois et fécond. Dans la première partie de ce débat, j'aurai un échange avec le juriste, politologue, écrivain Geoffroy-Julien Kouao. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir, Ange. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais. Le dernier, c'est ceci, Côte d'Ivoire, une démocratie sans démocrate. La plutocratie n'est pas la démocratie. C'est un livre, c'est un essai qui a été publié chez les éditions Carmite. Et dans la deuxième partie de cette émission, deux parlementaires, je dirais de nouvelles figures de la classe politique ivoirienne, Maître Abdoulaye Ben Meïté, député de la Nation, élu RHDP, parti au pouvoir, et Monsieur Marius Conan, député de la Nation, élu PDCI, parti d'opposition, prendront la place de Geoffroy-Julien Kouao pour le débat autour de la thématique législative 2021, quelle perspective pour le débat démocratique parlementaire? Je précise que Geoffroy-Julien Kouao pourrait intervenir quand il voudra dans ce débat. Geoffroy-Julien Kouao, votre essai reprend en fait plusieurs publications que vous aviez faites dans vos différentes conférences. Vous exposez en trois parties vos réflexions politiques, sociales et juridiques. Alors, fondamentalement, vous pensez que le régime politique ivoirien ne favorise pas un vrai débat démocratique parce qu'il ne favorise pas un vrai contrôle de l'action gouvernementale, de l'action publique. Pourquoi y aurait-il cette urgence-là de changer de régime politique ? Oui, en fait, vous savez, il n'y a pas de meilleur régime politique en soi. Que ce soit le régime présidentiel de type états-unien, que ce soit le régime parlementaire de type britannique, ou même le régime mixte de type français, il n'y a pas de meilleur régime en soi. Il n'y a que de bons hommes et femmes politiques. Autrement dit, ceux qui animent le jeu politique. Notre système politique est de type présidentiel en ce qu'il donne le primat à l'exécutif et le président de la République apparaît comme la clé de voûte de ce système-là. Mais ceci n'est pas un handicap. C'est-à-dire qu'il est trop puissant. Oui, on le verra tout à l'heure, mais ceci n'est pas un handicap en soi. Le problème, c'est l'inexistence des contre-pouvoirs. Vous savez qu'au regard
théorie de la séparation des pouvoirs définie par Montesquieu, le Parlement et le pouvoir judiciaire jouent le rôle de contre-pouvoir. Contre, évidemment, l'exécutif. Contrôle l'action gouvernementale. Et puis, aujourd'hui, au-delà même de cette séparation, nous avons le premier contre-pouvoir dans le jeu démocratique, c'est la presse. La presse. Malheureusement, dans notre système politique, ni le Parlement, ni la justice, ni la presse ne jouent réellement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale et surtout de l'action du président de la République. Parce que lorsqu'on regarde bien notre système politique, certes, la Constitution fait du gouvernement une institution, mais en fait, les ministres et autres ne sont que des simples collaborateurs du président de la République. Donc, on ne peut pas parler dans le régime politique ivoirien de gouvernement, mais plutôt d'administration, de sorte que les ministres et autres ne sont que les collaborateurs du président de la République. Donc, le problème n'est pas du côté de l'exécutif, mais plutôt des contre-pouvoirs qui ne jouent pas leur rôle. Et à qui la faute si ces contre-pouvoirs ne jouent pas leur rôle? Mais au contre-pouvoir. Au contre-pouvoir. Vous voulez dire que le Parlement, par exemple, ne joue pas assez évidemment, bien son rôle? Évidemment, de... regardez. Du strict point de vue constitutionnel, le président de la République a l'initiative de la loi, concurremment avec le Parlement. C'est-à-dire que le président de la République peut prendre l'initiative de la loi. On parle alors de projet de loi. Les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, ont aussi l'initiative de la loi. On parle dans ce cas de proposition de loi. Mais attendez, Ange, combien de propositions de loi nous avons depuis 1960 en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire de lois ayant pour initiative ou bien initiateur les parlementaires. Bien malin qui pourra répondre à cette question. Constitutionnaliste que je suis, je ne peux pas véritablement répondre à cette question. De sorte qu'aujourd'hui, on peut parler de parlementaires fainéants, en ce sens qu'ils ne jouent pas réellement leur rôle. Mm-hmm. Et le président de la République a bien y regardé de près dans le régime politique ivoirien, est le véritable détenteur du pouvoir législatif. Et les parlementaires vous répondront tout à l'heure. Évidemment, j'essaierai d'échanger avec eux de façon courtoise. Alors, vous dites, à la page 76 de votre livre, vous écrivez: la nature du régime impacte considérablement les mécanismes de gouvernance et de compétition politique. Alors, si je comprends bien, votre objectif reste le renforcement des institutions. Oui, le renforcement des institutions, en ce sens que, à partir du moment où les autres institutions ne jouent pas leur rôle, le président devient super puissant. Il devient un omni-président. Voyez, et tout part de lui et revient à lui. De sorte que lorsque le président est dans une dynamique politique, toute la nation, à travers les institutions constituées, sont obligées de le suivre. Ce qui me paraît être incorrect politiquement. Il faut peut-être sortir du régime présidentiel pour aller vers un régime parlementaire, où, évidemment, le président de la République jouerait un rôle d'arbitre, un rôle purement honorifique, comme la reine d'Angleterre ou le roi et l'empereur du Japon. Et puis, on laisse l'action gouvernementale réellement entre les mains du Parlement, qui désignerait dans l'espèce le gouvernement et surtout le Premier ministre. Je pense que cela pourrait permettre un certain dynamisme politique. Et puis, deuxièmement, au niveau de la justice, vous savez, on reproche souvent à notre justice, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, d'être toujours du côté du pouvoir. Je ne suis pas trop pour cette analyse, et j'en parle dans le livre. Oui, bien sûr, pas parce que je veux défendre les magistrats. Mm-hmm. Je ne suis pas magistrat, ils sont assez matures pour se défendre, pour prendre leur propre défense. Mais tout dépend de l'organisation, de la charpente de notre organisation judiciaire. Mm-hmm. Vous savez, quand on parle de justice, il y a ce qu'on appelle le siège et le parquet. Mm-hmm. Le parquet, c'est le procureur de la République et ses substituts. Le procureur général au niveau de la cour d'appel, etc. Ils ont l'initiative de la poursuite. Ce sont eux qui poursuivent, n'est-ce pas, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.
voyez. Et eux, contrairement aux magistrats du siège, c'est-à-dire le juge d'instruction et le président du tribunal, ils ne sont pas indépendants. Quand on parle d'indépendance de la justice, du juge, il s'agit du juge d'instruction et du président du tribunal, c'est-à-dire de celui qui mène les enquêtes et de celui qui rend les décisions. À l'inverse, à contrario, par opposition, le parquet, c'est-à-dire le ministère public, qui représente l'État, la société, est placé sous le contrôle hiérarchique du ministre de la Justice, subséquemment du Premier ministre et du Président de la République. Donc, il reçoit des ordres directement de ses autorités politiques. Évidemment, ça ne peut que dénaturer le rôle de cette justice. Mais il fait une proposition concrète. Mais en même temps, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas le problème, c'est pas les institutions, mais les hommes qui les animent. Donc pourquoi est-ce qu'un juge, qu'un homme ne ferait pas bien son boulot ? Oui. Ne dirait pas la loi ? Oui, mais dans l'espèce, c'est la loi qui est à corriger. Vous savez, un fonctionnaire est placé sous l'ordre hiérarchique d'un supérieur. La fonction publique est hiérarchisée, elle n'est pas démocratique. Lorsque le ministre, par exemple, de la Justice donne un ordre au procureur de la République, il est obéi, il ne peut qu'obéir, puisque c'est le ministre qui le note. Ce que je propose, pourquoi ne pas faire comme les États-Unis, c'est-à-dire élire, par exemple, le procureur de la République. Et c'est d'ailleurs étrange. Attendez, écoutez. Nous sommes dans une démocratie. La légitimité pour exercer une fonction capitale dans une démocratie, c'est l'élection. Bien sûr, ouais. D'où l'élection du président de la République, incarnation du pouvoir exécutif. D'où l'élection des députés, des sénateurs, incarnation du pouvoir législatif. Mais pourquoi donc les magistrats, l'incarnation du pouvoir judiciaire, ne seraient-ils pas élus? Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, sur les entêtes de leurs décisions, il est écrit au nom du peuple. Mais de quel peuple? Quel peuple leur a donné cette onction? Lorsque des parlementaires parlent, ils disent « je parle au nom du peuple ». Et vous avez bien fait de le dire tout à l'heure, en présentant nos prochains invités, vous avez dit « élu de la nation ». Oui, ils ont la légitimité pour parler au nom de la nation. Et j'en parle dans mon livre. Dans une démocratie, tout repose sur la légitimité. La légitimité d'un homme politique ou d'un homme politique, c'est d'abord l'élection. Ou même d'un haut fonctionnaire, c'est d'abord l'élection. La légitimité de l'intellectuel, c'est l'écriture. Quelqu'un qui n'écrit pas ne peut pas avoir le statut d'intellectuel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement ivoirien, à vos yeux, exerce, vous l'avez dit tout à l'heure, qui en aurait, qui serait paresseux, mais quand on se situe sur le terrain de l'animation du débat politique, du débat démocratique, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Parlement ivoirien, exerce bien, mène bien ce débat. Est-ce que le Parlement ivoirien est le temple véritablement de la démocratie aujourd'hui? Oui, mais vous savez que la majorité parlementaire est du côté du pouvoir. Aujourd'hui, le RHDP a la majorité à l'Assemblée nationale. Il est évident qu'il y a une certaine cohésion entre l'action parlementaire menée par les députés et les sénateurs RHDP et l'action gouvernementale, ce qui est totalement normal. Il est évident que si, à l'issue de l'élection du 6 mars prochain, la majorité basculait du côté de l'opposition, le président de la République serait dans une posture politique inconfortable. Il ne pourrait pas gouverner. Il serait un roi nu. La raison est simple. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, les députés ont l'initiative de la loi, le président de la République également. Mais lorsque le président de la République prend un projet de loi, le projet de loi doit être adopté pour devenir loi par les députés et les sénateurs. Et si l'Assemblée nationale a une majorité de l'opposition, les chances pour le président de la République de voir ses projets de loi adoptés par le Parlement sont extrêmement minces. Vous voyez, est-ce qu'il peut les outrepasser en gouvernant par ordonnance? Avec l'ordonnance, le président de la République ne peut avoir d'abord que l'habilitation parlementaire avant de déclencher l'ordonnance, c'est-à-dire l'autorisation du Parlement. Mais si le Parlement est à majorité opposition, il est évident qu'il n'aura pas ce quitus-là. Dans tous les cas de figure, la pertinence des élections à venir, c'est que si l'opposition prend le pouvoir, le président de la République actuelle, membre du RHDP,
aura des difficultés énormes pour gouverner sur le plan juridique. Et c'est pour cela que le RHDP se bat pour avoir... Oui, évidemment, le RHDP se bat pour avoir c'est la majorité. C'est une bonne chose. Et selon toute vraisemblance, le RHDP n'est pas favori. Alors, est-ce que... vous écrivez page 26. Le talon d'Achille de la politique ivoirienne est indiscutablement l'absence criante d'idées. Les acteurs politiques ivoiriens nous ont habitués à leur ingéniosité à produire des querelles et des anecdotes politiques. Est-ce que vous n'exagérez pas ? Non, mais ils n'ont pas d'idées. Je suis un politologue, j'enseigne le droit constitutionnel. Tout le monde sait qu'aucun parti politique ivoirien n'a une idéologie réelle. Dans les statuts, bon, le PDCI, par exemple, dit qu'ils sont sans droit. Le RDA dit, enfin, le RHDP dit qu'ils sont, libéraux. Et ceci, cela, le FPI dit qu'ils sont socialistes. Mais dans la pratique politique, on ne voit pas cela. Je vais vous donner un exemple. Je prends le cas du pouvoir, hein, pour que tout le monde voit. Le RHDP est un pouvoir libéral. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? Mais c'est simple. Lisez Adam Smith, David Ricardo, Joseph Schumpeter et autres, vous verrez. C'est le laisser aller, c'est la liberté d'entreprendre, c'est, et autres. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons combien de télévisions ? On dit pour créer sa télévision, vous payez 1 milliard. Mais ça, c'est une mesure soviétique. C'est une mesure soviétique et non libérale. Alors, je crée ma télévision. Si ça ne marche pas, ton problème est où ? C'est ça le libéralisme. Pour le libéralisme, l'offre précède la demande, la liberté d'entreprendre et d'échouer. Vous comprenez ? Mais 1 milliard dans un pays qui a pour PIB seulement que 40 milliards de dollars, alors que la seule ville de Lagos a 100 milliards, c'est-à-dire être trois fois plus riche que notre pays. Comment on peut demander 1 milliard pour créer ? Autrement dit, le RHDP, à travers cet exemple, n'est pas réellement un parti libéral. Vous voyez, prenez le cas du FPI. Ils se disent socialistes. Mais le socialisme, c'est quoi ? C'est l'universalisme, c'est l'ouverture des frontières, c'est l'accueil des étrangers, c'est l'assimilation. Mais ce sont eux qui parlent de quoi ? De nationalisme, d'ivoirité. Ils ont emprunté au PDCI, RDA. En quoi ils sont-ils socialistes ? Vous voyez ? Donc, il y a tellement d'amalgame. Il y a tellement d'amalgame que... Et puis, vous le savez très bien, j'en parle dans le livre, chez nous ici, il y a deux instruments pour faire la politique. En général, il y a trois. Quand vous regardez les contractualistes, que ce soit Machiavel, Rousseau et autres, il y a trois. Il y a la force, vous venez imposer aux autres par les fusils et autres. Il y a l'argent pour corrompre tout le monde. Et puis il y a les idées. Évidemment, la meilleure façon de faire la politique, c'est par les idées. D'où le multipartisme. On n'a pas la même manière de voir le monde, donc on vient confronter nos idées. Mais en Côte d'Ivoire, c'est soit la force, soit l'argent. Aux États-Unis cette année, aux élections, il y a eu 1226 candidats à l'élection présidentielle américaine. Ce que les gens ne savent pas. Seulement le système est organisé de sorte que seuls deux grands partis peuvent avoir des représentants et avoir des chances de gagner dans les 50 États. Il y avait quatre candidats sérieux. Le candidat des Verts, le candidat du Parti libertarien, le candidat des démocrates et le candidat des républicains. Alors, donc, tout ça, ce sont les imperfections de notre démocratie. Et comme je le dis dans le livre, il faut corriger ces choses parce que le sens est un non-sens. Vous dites que la classe politique ivoirienne a réussi à faire de ce pays l'égérie de l'afro-pessimisme. Oui, vous savez, il faut gagner à construire un pays. Il faut gagner à faire de la Côte d'Ivoire un modèle, un havre de paix, de prospérité relative. Vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus fier d'être ivoirien. Vous voyez, la dernière fois, je suivais une émission sur une chaîne d'investigation et on parlait des immigrés au Brésil. Et ils ont entendu le micro, un monsieur, il dit les Ivoiriens au Brésil. Au Brésil. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? Rien. C'est la classe politique qui profite, n'est-ce pas, de cette embellie, mais pas le peuple. Les pouvoirs changent, mais les privilèges demeurent. Le système demeure. Le système demeure, c'est la même gouvernance. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, prenez l'Ivoirien lambda. Mais avant, nous avons le meilleur système éducatif en Afrique de l'Ouest. Les autres venaient chez nous. Tout récemment, on a vu le classement. Aujourd'hui, vous voyez des enseignants d'université s'exprimer. Mais vous avez honte. Vous avez honte. Vous comprenez ? Mais la faute à qui ? Mais à ceux qui gouvernent. Mais en même temps, les problèmes de l'école, ça ne date pas de maintenant. Oui, mais justement, c'est pourquoi il y a des alternances. Les alternances permettent de corriger les erreurs. Mais si les alternances permettent
de conforter et d'empirer les erreurs, mais en ce moment-là, il n'y a pas de raison de créer des alternances. C'est un faux problème de dire qu'avant c'était ceci, avant et maintenant. Mais c'est pourquoi on a changé de gouvernant, pour donner de nouvelles perspectives, de nouveaux espoirs. Vous comprenez? Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, regardez, pour chaque fois qu'il y a des compétitions électorales, il y a des morts. Ouais. Ça veut dire quoi? Que la classe politique n'est pas mature, mais politiquement. Vous avez annoncé dans ce livre, vous avez écrit dans ce livre qu'en 2020, il n'y aurait pas de tension, mais il y en a eu quand même. Mais justement, parce que je suis parti avec des éléments objectifs, ouais, d'analyse scientifique. Mais ça veut dire que vous êtes trompé. Je me suis trompé, non, je me suis trompé. Mais avec cette classe politique, on se trompe toujours. Avec cette classe politique, on se trompe toujours. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible. J'avais oublié que j'avais affaire au PDCI, au RHDP, au FPI et autres. Et donc, scientifiquement, j'ai fait une analyse. Je me suis dit, bon, au regard du passé, de ceci, cela, d'éléments objectifs. De la position des uns et des autres. Très bien que cette année, bon, mais c'est mal connaître les hommes politiques qui voient rien. Comment on améliore? Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, on échoue à construire une démocratie pacifique? Non, parce que tout simplement, nous galvaudons les concepts, les notions, les mots, les termes. Qu'est-ce qu'un État? Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un État, vous ne pouvez pas être un homme d'État. Qu'est-ce que la démocratie? Si vous ne savez pas ce qu'on appelle la démocratie, vous ne pouvez pas être un démocrate. Qu'est-ce que la République? Si vous ne savez pas ce qu'on appelle une République, vous ne pouvez pas être un républicain. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des élections. On prend l'argent comme critère de sélection. Alors que, au Moyen-Âge, c'était l'argent qui était critère d'élection. On appelait ça le suffrage capacitaire. Et c'est contre ce suffrage capacitaire qu'est venu le suffrage universel. Le suffrage universel est venu abolir le suffrage masculin qui excluait les femmes, le suffrage censitaire qui excluait les pauvres et le suffrage capacitaire qui excluait les non-diplômés. Vous comprenez bien? C'est ce qu'on appelait le suffrage restreint. Donc le suffrage universel est venu pour que et les pauvres, et les riches, et les illettrés, et les lettrés, et les femmes et les hommes puissent avoir droit de vote et être candidats. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous revenons au Moyen-Âge avec... dites-moi en France, on paye combien pour le président de la République pour être candidat? Ah, ça, je veux jamais... Ça n'existe pas. Seulement, ce sont les papiers administratifs qu'il faut fournir et tout ça. Les signatures. Pourquoi dans un pays assez pauvre comme nous, le nôtre? Pourquoi dans un pays capitaliste sans capitaux comme le nôtre? C'est avec l'argent qu'on veut juger l'intelligence politique. C'est avec les idées qu'on fait la politique. Attendez, on a continué à faire de l'argent le critère. Où nous en sommes-nous? Celui qui est riche n'est pas forcément un homme honnête, n'est pas forcément un homme intelligent. La richesse ne provient pas de l'intelligence, mais souvent de la malice. Nuance. Donc c'est contre tout ça que je m'insurge. Je m'insurge contre tout ça. Est-ce qu'il faut plus de députés à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, on en a 255, pardon. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce que les députés ivoiriens, parce que vous proposiez que le gouvernement également limite le nombre de ministres au gouvernement, est-ce qu'il faut limiter le nombre de députés à l'Assemblée nationale? En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup trop de députés. Nous avons beaucoup trop de députés. Quand vous prenez la France, ils ont 577 députés. Pour 60 millions d'habitants. Pour 65 millions d'habitants. Ce qui fait un ratio d'un député pour 113 000 habitants. Voyez. Quand vous prenez un pays comme la Belgique, c'est la même fourchette. Vous venez en Afrique, le Niger, le Mali, c'est la même fourchette. Chez nous, pour une population de 23 millions, 25 millions, nous avons 250. Ce qui fait un député pour près de 150 000 habitants. C'est beaucoup trop. Pourquoi? En principe... Pourquoi? Oui, mais c'est une question de représentativité. Mm-hmm. Question de représentativité. Vous comprenez? C'est par rapport au nombre de personnes. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas avoir un trop-plein d'abord au niveau de la représentativité. Il nous faut, en principe, en Côte d'Ivoire, 150 députés. 150 députés. On est d'accord? Et deuxièmement, nous sommes un pays pauvre. L'urgence, c'est le social et non l'inflation politique. Et sur quels critères vous
Vous souhaiteriez qu'on ait 150 députés? Non, à partir du rapport population. D'accord. Hein, qu'on appelle le nombre de sièges. Mmh. C'est surtout à partir de la population. Mmh. Hein, et à partir aussi de notre découpage administratif. Vous voyez? Et donc, il faudrait qu'on tienne compte de ça. En sus, nous sommes dans un pays où il y a une inflation institutionnelle. Et ça, c'est symptomatique de la gouvernance approximative. 50 ministres, mon Dieu. Un Sénat, une Assemblée nationale, ce bicaméralisme répond à quoi? À quel besoin? Et regardez, suivez très bien. Nous avons un conseil économique et social, culturel et autres, dont le rôle est de conseiller le président dans ces questions. Mais le président, non seulement a un ministre de l'économie, a un ministre des affaires sociales, un ministre des affaires culturelles. En sus, il a un conseiller des affaires culturelles, un conseiller des affaires économiques, un conseiller... Mais ça devient surabondant. Nous avons un ministère de la justice, des libertés et des droits de l'homme, un secrétariat des droits de l'homme, commission nationale des droits de l'homme. Bon, c'est bien, je pense que la question des droits de l'homme paraît comme chose, mais je vais prendre l'exemple des députés. Si on fait, par exemple, de 250 à 150 députés, si on prend de façon globale les honoraires des députés à 2,5 millions, vous voyez, en termes, donc vous avez près de 100 députés, 2,5 millions, ce que ça donne. Vous voyez, ça peut permettre de résoudre les problèmes de classe surabondante. Ça peut créer régler des problèmes de santé. Bon, je comprends très bien, puisque nos gouverneurs ne se sont pas en Côte d'Ivoire. On a parlé un peu du contenu du livre, il est beaucoup plus riche. On va maintenant ouvrir la deuxième partie de ce débat. Je vais recevoir les honorables Abdoulaye Ben Meïté, du député du RHDP, et Marius Conan, député du PDCI. Et nous allons évoquer donc le débat de cet après-midi. Quelles sont les perspectives du débat démocratique au Parlement à l'issue des élections qui arrivent ?